Quando partisci mio pari, pa Svizzera, a Faria, duci spietin cirin. D'où est né le spectacle? En fait, ça fait plusieurs années que j'ai envie de faire ce spectacle de chant et de récit. En fait, ce serait presque un peu comme un hommage à une région, la Carnia, qui est en fait une région du Frioul, du nord de l'Italie. Et parce que je suis petite fille d'immigrés. Que cette histoire m'a beaucoup marquée et que j'avais envie en fait de parler de cette région, de parler de ces gens-là. Et puis j'avais envie de le faire dans cette langue-là. Et pour le faire dans cette langue-là, j'avais besoin de la chanter. Alors j'ai choisi des chansons d'un groupe qui s'appelait Povolar Ensemble, qui a été créé par Giorgio Ferrigo, qui était en fait médecin. Et qui était une espèce de Tchekhov carnico, en fait, qui racontait la vie des gens là-bas avec une espèce d'âpreté, de force, de poésie, une espèce d'humanisme comme ça, qui était très, très belle, quoi. Comme j'adorais ces textes, c'était des textes qu'on écoutait avec ma sœur et nos amis carnici quand nous étions adolescentes. Donc on a pris ces chansons-là. On a demandé à Philippe Vranckx, qui est un guitariste flamenco, de les arranger. On a un contrebassiste qui vient du jazz, qui s'appelle Christophe Jodet. Et ensemble, voilà, on a monté ce projet. Alors, ça a commencé avec Philippe, dans un petit studio. On était tous les deux. Et puis, on a travaillé les chansons, on les a choisies. Enfin, je lui ai soumis des chansons. Et puis, il a travaillé dessus, on a travaillé ensemble. Ensuite, ma sœur, Katia, est venue dessus. Je tenais absolument à ce qu'elle soit sur le projet parce que c'est notre histoire et parce qu'aussi, on a deux voix qui... Depuis toute petite, on chante ensemble et ces deux voix, voilà. Enfin, de toute façon, ça me semblait une évidence, il fallait que ce soit elle. Et puis, voilà, on est quatre sur scène, on fait ce spectacle et je suis très heureuse de le faire. Plena di rabbia e di paura, plui che l'impresce di vestiti, una busciarda impresa voia di sbattila sul mur. Gli appari al mas quasi infuit, cencia volta cindevù. Dal finestrino e
e così in te us nota pon saran ognun in tu liet differente. Me mari besol tu liet ma sa grande gno parin tu. Immigrant, c'est un spectacle qui, depuis qu'il a commencé, suscite énormément d'émotions. On est très très touchés l'une comme l'autre parce que, par les témoignages qu'on reçoit, parce que non seulement ce sont des gens émigrés de tous horizons, mais aussi des gens qui ne sont pas émigrés, qui nous disent « Ah mais moi je suis de Bordeaux, j'ai jamais bougé de là et pourtant je suis bouleversée par ce spectacle ». Et ce qui nous touche aussi beaucoup, c'est de nous dire ben, « C'est incroyable de voir à quel point on crée un espace d'intimité tel que ces mêmes personnes, elles viennent nous dire qu'elles sont touchées. Elles ne repartent pas dans leur vie avec toute l'émotion qu'elles ont ressentie. Elles ont besoin de la partager avec nous. Et ça, c'est extrêmement fort pour nous. Vraiment. Sostentament, qui intra giù.